de la plateforme YouTube. Alors il y a une petite parenthèse à propos, en fait c'est là où nous sommes, hein, entre parenthèses, complètement débile. Oui, c'est assez bizarre, mais grosso modo, je voulais vous parler de la plateforme YouTube qui va devenir payante. Attention, pas pour tout le monde, dans un sens où il y aura quelques chaînes en fait qui vont, il va falloir prendre une sorte d'abonnement où ça va être payant et ça risque de se faire. Je vais vous donner après le texte qui a été dit. Et ouais, il y a un petit souci là parce que bon, il y a environ 20-25 chaînes qui vont devenir payantes. Ça va pas être très très cher, je vous le dirai après. Mais le petit truc, c'est que après finalement, est-ce que ça veut dire que peut-être dans 2-3 ans, est-ce que finalement on va retrouver tout le monde, aura la possibilité, on va dire, parce que ça va pas être une force, mais aura la possibilité tout simplement de rendre sa chaîne payante. C'est-à-dire par exemple Diablo X9 ou Monsieur le V12, il se dit bah tiens, maintenant on peut rendre notre chaîne payante, enfin faut payer l'abonnement. Bon, je vous le dis maintenant, c'est entre 1 à 5 $. Est-ce que finalement, ça me fera un peu plus d'argent à la fin de mon mois? Donc le petit truc, c'est que par exemple tous les gens partenaires, je pense que ça sera un peu un truc comme ça, où tous les gens qui seront en partenariat avec YouTube pourront le faire, pas cette année-là, l'année prochaine, mais cette année-là il y aura quand même une vingtaine de chaînes qui seront payantes. Mais le petit souci honnêtement, et c'est pour ça que je voulais tout de suite vous en parler, c'est le truc, c'est que si des grandes chaînes vont le faire, sans doute des petites chaînes, voire comme moi, en fait on va le faire, on va suivre cette vague, et donc c'est surtout, faut pas que les grandes chaînes le fassent.